Salut! In today's video, you're going to discover how you can help stranded animals by listening to this conversation in French. Hello, my name is Rochelle DeMeo, your native French instructor from Belterre Academy, and I am here with... Silver. Ben, bonjour Silver, merci d'être avec nous, ça fait vraiment plaisir. Et puis, on a vraiment hâte de pouvoir découvrir des moyens, comment justement on peut aider des animaux maltraités. Mais avant même d'en parler, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser un petit peu à cette cause-là? Alors moi, j'ai toujours été sensible, bien sûr, aux animaux. J'avais des chiens quand j'étais plus jeune. Mais effectivement, après, je ne m'étais jamais impliqué jusqu'à très tard dans des associations. Ce qui m'a poussé, en fait, c'est la situation complètement catastrophique des animaux dans la rue que j'ai pu constater sur l'île de La Réunion où j'ai vécu quelques années. Et en fait, j'ai trouvé un chien, je l'ai adopté. J'ai trouvé un deuxième chien, je l'ai adopté. Et au bout du troisième, ma petite amie de l'époque m'a dit « Bon, ça suffit, il faut trouver un moyen. » Et donc, du coup, j'ai trouvé une association qui a proposé de la prendre en charge pour un process d'adoption. Et de fil en aiguille, en fait, à chaque fois que je trouvais un chien, je m'en occupais, je le prenais en charge et on faisait passer le chien par ce process d'adoption. Donc, c'est comme ça que j'ai passé quelques années à m'occuper, à sauver quelques-uns de ces animaux. Super. Eh ben, c'est super. Alors, du coup, comment se passe ce processus d'adoption? Alors, le processus d'adoption, au final, il était bien rodé, mais il était quand même un petit peu complexe dans le sens où la situation ne permettait pas d'adopter les animaux au sein de SPA locales sur l'île de La Réunion. Donc, il fallait trouver un moyen de les emmener en métropole. Donc, c'est ce qu'on faisait. C'est-à-dire que moi, j'étais, entre guillemets, un récupérateur. Donc, je récupérais les animaux. Je les gardais chez moi, dans ma maison. Ils avaient un jardin à disposition. Si besoin, généralement, je les emmenais faire un tour au vétérinaire. Je leur donnais à manger, bien évidemment. Et puis ensuite, d'autres personnes étaient chargées de les prendre en charge pour les faire voyager, les faire transiter par avion jusqu'à la métropole où là, d'autres personnes de l'association venaient les chercher pour les emmener sur une SPA avec laquelle on était en lien à Morey. Voilà, c'est près de Tours. D'accord, excellent. Waouh, c'est génial hein, d'avoir pu mettre ça en place et... de travailler là-dedans, je trouve ça top, vraiment c'est super. Petite pause, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, subscribe on the channel by clicking that subscribe button. Merci. Alors du coup, quels seraient peut-être des petits conseils que tu pourrais nous donner pour aider justement des animaux abandonnés ou maltraités? Alors, des conseils, alors, tout dépend bien évidemment de où vous habitez, où vous vivez, mais un premier conseil, si éventuellement vous êtes soit en France, soit dans un pays qui le propose, c'est simplement de donner à des associations, que ce soit la SPA ou d'autres associations locales, sachant qu'une partie de cette donation peut être déduite de vos impôts. C'est-à-dire que si je donne 30 euros, au final, je vais pouvoir déduire ça de mes impôts de 20 euros. Donc, au final, ça me coûte que 10 euros. Donc, ça, c'est le plus simple à faire au quotidien. Ensuite, vous avez peut-être une deuxième possibilité. C'est par exemple, je vous avais expliqué le process d'emmener les animaux par avion. Donc, c'est valable à La Réunion, mais c'est valable, à mon avis, dans d'autres pays aussi. On faisait ça à l'aide d'accompagnants volants. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont prendre l'avion du point A au point B qui nous intéresse. Et en fait, la cage de l'animal, et l'animal bien évidemment, va être attachée administrativement à cette personne juste le temps du trajet. Donc, c'est ce qu'on appelle un accompagnant volant. Donc ça, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu réticentes parce qu'elles ont toujours peur qu'on mette n'importe quoi dans les cages, etc. Bien évidemment, non. Ce sont des process qui sont rodés avec des associations qui ont pignon sur rue, qui sont connues. Et donc ça, c'est vraiment une aide véritablement appréciable dans ce process d'envoi d'animaux depuis l'étranger ou depuis l'outre-mer sur la France et sur Paris.
Et puis peut-être un troisième et dernier conseil, ça je pense que c'est aussi quelque chose qui est important, c'est de ne pas forcément aller toujours acheter un chien, un chat dans un magasin. Des chiens et des chats qui cherchent des familles, il y en a plein, il y en a énormément. Donc ça ne sert à rien d'aller dépenser votre argent. Le chien qui vous attend à l'SPA local sera tout aussi aimant et réceptif à votre famille qu'un chien que vous allez acheter dans un magasin. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans ces SPA pour adopter. Non, j'adore, je suis vraiment du même avis. Avec tous les animaux que j'ai eus, on n'a pas acheté pareil, c'était à la SPA qu'on les a tous récupérés. Un Danois qu'on a eu qui avait été abandonné, notre Labrador. Là, il nous reste deux chats, mais on a eu peut-être 6 ou 7 les 10 dernières années. Et tout ce qu'on avait soit trouvé ou soit à la SPA, parce que je suis du même avis. Pourquoi en acheter quand on peut en trouver qui sont vraiment besoin d'une maison? Et souvent, ils sont tellement aimants et adorables. Du coup, est-ce que tu aurais peut-être une autre petite astuce, même un point bonus pour aider du coup les animaux, peut-être de façon plus globale, pas forcément des animaux domestiques, mais est-ce qu'il y a d'autres animaux qu'on pourrait aider? Quel serait un petit conseil que tu pourrais nous donner? Alors, c'est plus un sentiment qu'un conseil. C'est moi, c'est une évolution que j'ai faite au cours des années, puisque je suis d'une famille qui est une famille lambda, qui mange de tout. Et pour ma part, en fait, j'ai beaucoup évolué sur cette question-là, notamment avec les conditions d'élevage des animaux dans les grandes industries qui, à mon sens, quand même, subissent des conditions d'abattage assez violente. Donc, pour ma part, et c'est peut-être quelque chose sur lequel les gens peuvent aussi évoluer s'ils en ont envie, c'est que j'ai mangé moins de viande avec le temps, j'en avais moins l'envie. C'était aussi quelque chose qui, en plus de me tenir à cœur, qui me permettait aussi d'avoir une diététique bien meilleure, puisque, par exemple, le jambon, c'est très mauvais pour le foie, ça nous fait gonfler le foie, en fait. La viande rouge est mauvaise pour le cœur, ça nous bouche, en fait, les artères du cœur. Donc, pour ma part, même si je ne suis pas aujourd'hui végétarien, j'ai quand même évolué plutôt vers des viandes blanches qui sont plus saines et qui vont moins pénaliser la condition animale. C'est génial, ouais, c'est vrai, on n'y pense pas, mais toutes sortes de choses qu'on peut faire pour vraiment aider les animaux à travers le monde, que ce soit par notre alimentation ou recueillir des animaux, les adopter, les aider, donner, c'est vrai, c'est très bien. Il y a plein de petites choses à faire, en fait, que ce soit donner un petit peu d'argent ou dans son quotidien, dans son alimentation, choisir un peu mieux ses aliments. Voilà, il y a des choses à faire avant de s'impliquer en temps sur une association. Ok, bien, petit devoir. So, homework in the comment box, right in French, of course, what you would do to help animals. I'm going to be watching, we're going to be learning from you by you writing in the comment box suggestions that you would give to help suffering animals all over the world. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. À bientôt. Bonne journée, à bientôt.